Bonjour, je m'appelle Alexandra Grimal, je suis saxophoniste, chanteuse et compositrice. Je suis en résidence au château de Chambord pour composer une pièce qui s'appelle The Monkey in the Abstract Garden, qui est une pièce pour voix et musique électronique qui sera créée à la Biennale internationale d'art numérique d'Enghien-les-Bains. C'est le centre d'art numérique dans lequel je suis en résidence cette année. Donc c'est une pièce qui sera créée le 13 juin pour voix, musique électronique, vidéo et paysage. Voilà, c'est une collaboration avec Benjamin Lévy, musicien électronique, Antonia Fritsch à la vidéo et le paysagiste David Simonson. Donc, je suis en train de créer ici la musique. Et je suis en résidence ici pour finir aussi une pièce chorégraphique qui s'appelle Shanta pour 5 danseuses qui font la danse et le son de cette pièce, voilà, que je suis en train de terminer. Et je profite de l'escalier de Chambord pour travailler mon saxophone, parce que l'acoustique est vraiment exceptionnelle. Le 5 juillet, pendant le festival du château, il y aura un concert de la Grande Volière qui est organisé et dont la direction artistique est assurée par le saxophoniste Lionel Garcin. Et donc il y aura des saxophonistes perchés dans les arbres, entre 25 et 30 mètres, cachés dans la forêt, qui vont imiter les chants d'oiseaux. J'ai écrit une pièce pour orchestre symphonique qui s'appelle Humus, qui va être créée à la Philharmonie de Paris le 18 mars pendant le concours La Maestra. C'est un concours pour femmes chefs d'orchestre. Et pour cette pièce, je vais emprunter au jardin de Chambord, grâce au jardinier Julien Billot, deux gros fagots de branches qui vont être utilisés lors de la pièce, donc qui vont être élagués dans les jardins du jardin à l'anglaise du château.